Incroyable. Les taches de centre, donc sans doute d'autres choses. Oh, là 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 là. Ah, cinématique. Oh, mais en plus ça me met la map. C'est cool ça. Il y a une porte qui était très cachée. Mais genre ouais, bien cachée de ouf. Ah. Alors est-ce qu'on va s'aventurer directement là ou est-ce qu'on va d'abord faire la porte? On va d'abord faire la porte, ouais, le secret. Je sais pas où je suis. Oula, attention. 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 Je me méfie. Il y a moult. Les coffres devant nous irradient de magie illusoire. Ah, merci, Dickin. De magie illusoire. Ça veut dire qu'il y a une illusion. Mais j'ai pas un truc pour les illusions. Genre la loupe. J'ai pas une loupe? Normalement, si j'ai une loupe. Loupe d'Alastair. C'est double chose, vous savez, c'est pas vrai. Alors attends. Tac. Non, utiliser. Non, ça sort sur moi. Non, ça marche pas. Il y a un coffre qui est vrai. Voyons. Il y en a. Je veux dire qu'ils sont tous en double sauf un. Celui-là est en double, celui-là est en double, celui-là est en double, je veux dire celui-là. Et merde. Une chauve-souris. Ah, il y avait une flèche. Il y avait une flèche. La direction, le coffre dans la direction de la flèche. Sans doute. Sans doute était cela. Donc celui-ci. Même pas. Ça m'étonne. J'aimerais savoir s'il y a vraiment zéro coffre. Ou bien si c'est juste un truc au pif et que si tu réussis, bah t'as quelque chose. C'est quelque chose que j'aimerais savoir ça. Non, c'est pas ça. J'ai envie de savoir. Pas celui-là. Bon, là, je prends le temps. Là, j'avoue, c'est juste pour faire augmenter la durée. Ah, je vous le dis. Donc celui-là on avait dit non, celui-là on avait dit non, celui-là non. Non, il n'y avait rien. Alors celui-là. Non. Alors celui qui se tient à côté de moi et après. Après, bah tant pis. Ouais, donc non. Donc c'était une salle un peu troll. Très bien. On va rester là-dessus.
Alors par contre, ça a l'air un peu étrange. Allez, je tiens à le dire. Ah. Non, ne le tue pas. Paf. Je vais le ressusciter, ce gardien. Vite, fermons la porte. Alors, est-ce que si je ressuscite le gobelin en fuite, ça va m'apporter de l'aide? Ça ne sert à rien. Ça ne sert. Oh, joli épée bâtard. Non, ça n'a servi à rien de le réanimer. Ça n'a servi complètement à rien. Donc, du coup, bah, au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé. Mais ça n'a pas servi. Et tant pis. Donc, tant pis. Bon, ça, c'est l'épée bâtard. C'est l'épée bâtarde. Ouh, par contre, ça a l'air un peu bizarre comme. Comme vu comment c'est foutu. Hein. Des trésors, des. Trésor, mais il y a plein de. Ah, c'est de l'or. Oh. Ouais, donc. Oh putain, ouais. Il y a beaucoup d'or et des baguettes de sommeil. Baguettes de nuages, nous avons. Ça, par contre, je pourrais les revendre. Ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à les revendre à revendre ma merde. Je ferai ça en off. Hein, vendre un peu tout mon bordel. Ah! Ça, c'était un piège. Ça, c'était complètement un piège. Et il y en a trois. Normalement, ils ne sont pas très intelligents. Allez, décède. Parfait. Toi aussi décède. Voilà, bon. Il y avait un truc piégé. Bon, on l'a fait. Pas grave. Alors, est-ce qu'il y a encore des draws? Oh, il y a un rat. Salut, toi. Salut. Salut. Eh, le rat. Salut, toi. Salut, ça va. Oh, il est mignon. T'es tellement bien modélisé, ce rat. Par contre, tu me bloques le passage. C'est pas cool. Ah, et c'est cet endroit-là. Ah, c'est là où il y a deux soldats draw. Par contre. Oh, les empreintes. On ira plus tard, les empreintes. Deux soldats draw, je vais me les faire. Oui. On va s'exécuter devoir changer de nom. Tu veux changer de nom? Quel pour c'est lui qui se faisant. Ah, c'est quoi le problème? Ah, trop d'ikin. Ah, bah. Change de nom, ouais. Plus viril, de moins mignon. C'est pas de nom préféré. Yann le. Ah, Donald! Donald Chantecaille. Ah non! Donald! S'il te plaît, bon, messieurs, vous êtes peut-être commando d'élite, draw, et tout ça, mais j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce qui se passe-t-il? S'il vous plaît, messieurs, nous pouvons encore parler. Nous pouvons discuter si vous voulez, hein. Je vous offre la vie sauve, hein, ce qui est pas mal, hein, si vous me dites certaines informations concernant votre chef. Ah bah Dukin a tué. Dukin, ouais. Alors, messieurs, avez-vous aucune information? Très bien. Oui, Dukin. Voir cette part, Dukin pensait que nous avons affronté. Ah bon?
Ah, quatre chaînes reliées, chaque porte à ce plan. Ah, intéressant, Dikin, dis donc. Chaque fois que porte est utilisée, chaîne disparaît dans cet endroit où elle est accrochée, vous devez retrouver. D'accord. Ah. Ouais, d'ailleurs, c'est une bonne question. Ah, mon profond toujours être très vaste. Et encore une énigme. Eh ben, merci, Dikin. Écoute, très sympa de ta part. Le sein des couleurs tourbillonne de l'eau, mais rien ne se passe. Piédestal. Une poulie et un levier au-dessus du piédestal font penser qu'on pourrait y attacher une sorte de chaîne. Ah. Très très bien. Et donc là, c'est l'escalier vers le bas pour le niveau moins 2 de mon profond. Bah, je vais déjà aller voir cette porte. C'est quoi, Likin? Ouais, on va y aller. On sait pas où ça mène. Mais ça y mène. Sud. Ah bah oui, c'est le sud. Ah! Ça m'enchante. Messieurs, est-ce que vous allez vous... Des empreintes. Ah, des empreintes. Oui, c'est vrai. Le sol est couvert de traces humanoïdes. Ouais, ça se tient. Ça se tient toujours. Merci, Dikin. Est-ce que je vais regretter? Toi, en premier, je sais que c'est toi. Voilà. Fantassin lourd, Dwager. Oh. Ah oui, d'accord. Oui, t'as une bonne résistance, je le vois. Ah, oh, mais putain, qui c'est qui lui rend sa vie? Toi, 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 toi. Toi, tu vas crever en premier. Voilà. C'est pas que j'aime pas les prêtres, mais c'est dangereux un prêtre, tu me l'accorderas. Allez. T'as raison, c'est parce qu'il est petit qu'il ressemble à un nain. Allez. Allez. Mais. Mais arrête. Arrête de te soigner. Il est invisible, c'est pour ça. Il est invisible. Ok, on va s'occuper de lui. Putain. Bon, voilà, parfait. Derrière. Parfait. Allez. Allez, est-ce que je vais monter jusqu'au level up? Je pense que je vais monter jusqu'au level up et on va s'arrêter là pour cette petite session. Franchement, je la sens bien. On est au début de l'étage 2. Il y a des ennemis à proximité. Oh, il y en a là-bas, c'est pour ça. Ah bah, tu laisses-moi me reposer, s'il te plaît. Hein? Pas ton chacal. Merci. On va continuer jusqu'au level up, ouais. Et puis après on va s'arrêter là. Oh putain, niveau 20! Enfin le niveau 20! Ce fameux niveau 20 que j'attends avec impatience. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Très certainement. Ah bah. Troll, lanceur, lanceur de sort. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Moi je vais bien, écoutez, je voudrais vous parler. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Non mais lui, personnage, ici. Lui, ce personnage, cet homme. Bon bah, tue-le, vas-y. Voilà. Monsieur? Monsieur? Oui. Voilà. J'aimerais vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Oh, des traces de pas. Tiens, tiens, tiens. Voilà qui est fortement intéressant. Et paf! Et paf! Bien! Bien, 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 pour tout cela. Je prends. La caisse aussi. Oh, ça à moi. Chausse-trappe. Oh, petit piège. Oh. Cette caisse, je l'ai déjà vue. Il n'y avait rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Il y a cette porte, mais je suis bientôt à court de poids. Hein, 133, c'est pas mal, mais. Eh, c'est pas facile, toute la vie. Encore une griffe de glace? Bah, faudrait que j'en vende une. Bien, sur ce, le level up. Incroyable. Roublard. Ah oui, il y a des nouvelles classes, tiens. Maître des ombres. Éclaireur ménestrel. Archer mage. Champion de Torm.
Métamorpho, tiens, classe de prestige. Ah oui, c'est les niveaux au-dessus. C'est à partir de Maître des Ombres. Ouais, il y a les classes de prestige dans Shadows of Under Dark. Oh, c'est intéressant ça. Donc, recommandé. Roublard. Alors, oh, un point de compétence. Un point de compétence que je vais mettre. Non, l'intelligence, c'est bon. Même si je partais avec un malus. Ce qui est fort. Fort dommageable. Je vais mettre mon point, je pense, en. Ça va être la force de volonté de ce point de perception. Je pense que je vais mettre un point en sagesse. Parce que le reste, j'arrive, ça me convient bien. Ah, ensuite, les points dans un peu tout. Donc, classique, déplacement, discrétion. Voilà, et aussi le savoir. Et les trois points, je vais en mettre un dans ma compétence de persuasion. Fouille, c'est. Repérer les pièges, un point aussi. Et détection. Parfait. Incroyable. Sagesse plus 1, 8 points de vie en plus, tout ça. Et esquive instinctive 6 plus. Parfait. Et le prochain est à 21 000 seulement. Ah non, 210 000. 210 000, ça fait. Ouais, c'est bon. Ça fait 21 000. Et là, parfait. Et ben, c'est moi, je vous propose. Hein, entre nous. Ah, et puis j'ai plus de 200 points de vie, c'est génial. Je vous propose que l'on s'arrête là pour cette petite session. J'espère que cela vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, hein, si le contenu vous plaît, que la chaîne vous plaît, et pour ne pas rater la suite de cette extension, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires sur une stratégie ou sur une aide qui pourrait m'être utile, eh ben, je vous invite à le faire. Et bien sûr, à me suivre sur le Twitter où je suis extrêmement présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Halls of the Underdark.